Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you, I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle. I think we've seen it all. Just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle. It's unconditional. Just make the call. And I'll be over. Rappelez, hier, j'ai rempli la coche ici que j'avais fait. Puis c'était vraiment une coche pour renforcer, mettre du filler de renfort devant le safran. C'était pas une finition esthétique, là. C'était vraiment juste pour le renforcer, recommencer à rebâtir le devant. Je vais en faire un autre passe. Là, ça va être plus esthétique. Fait que je vais plus pouvoir l'arrondir parce que qu'est-ce qui était rempli dans le crack que j'ai fait, il est bien rempli. Ça a séché, c'est très solide. Là, il va rester juste à refaire le rond en avant. Je vais reformer le rond en avant comme il faut. Je vais m'assurer de bien lisser ça pour que ça fasse une belle finition. Puis après ça, je vais réparer les grooves que j'ai fait pour les cracks. Puis après ça, je vais venir rattacher avec une feuille de fibre de verre sur le devanture. Il va venir rattacher, faire un tabbing en avant. Après l'avoir fini de rebâtir le devant. Ici, j'avais fait, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est un test hier. C'est une plus petite réparation. Qu'est-ce que je voulais voir, c'est vraiment l'épaisseur que ça sortirait enfin. J'ai gardé ici la finition d'origine pour voir jusqu'où que je peux aller en frais d'épaisseur. J'ai mis du 6 onces et un 10 onces. Fait que je voulais voir si j'arriverais quand même pas pire. Puis je pense que ça a bien sorti. Je vais juste faire un filler de finition par-dessus, puisque je peux le rebâtir encore un petit peu, au moins au niveau du blanc. Puis après ça, le dernier niveau, mais là, ça va être un fairing compound que je vais mettre, comme que j'ai fait sur le shaft, qui sera un peu plus brun, pour faire la finition au-dessus. Mais pour l'instant, on va faire du 406 par-dessus. Ça va être une autre couche pour solidifier, remplir les creux. Puis après ça, on va mettre notre filler. Je vais réparer. Fait que là, ce que je vais faire, s'il pleut pas encore, là, puisque là, la température a droppé, ça s'est ennuagé, puis ils disent qu'il va pleuvoir vers midi et demi. Fait que je veux pas être obligé de commencer ça, puis se mettre à pleuvoir, puis ça scrape ma job. Fait que je vais voir le temps que je peux faire, peut-être commencer par un plus petit job, voir le temps qu'il va faire, puis c'est ça que je vais pouvoir commencer. Fait que je vais faire mon mélange, je vais rebâtir mon devant, ça, je devrais avoir le temps avant l'appui. Si je vois encore que l'appui, je correcte encore un bout, ben je vais continuer et je vais vraiment faire cette réparation là en bas, cette réparation ici, des petites réparations de même pendant que le devant lui sèche. Puis après ça, si j'ai le temps, je vais commencer l'autre côté. L'été, il pleut. Tant qu'il n'y aura pas trop de vent, je vais être correct sous le bateau. Mais je vais juste faire mon mélange d'épaisseur pour pouvoir former le coin, c'est à peu près tout ce que je vais pouvoir faire. Sinon, je ne pourrais pas commencer à couper des tissus parce que là, j'ai pas de place à l'abri. J'ai pas de place à installer comme pour à l'abri de la pluie. Fait que, pour l'instant, je vais faire ce coin-là, le devant de safran, puis on fera d'autres choses à l'intérieur pour le restant de la journée. Pas chouette. Après ça, on va le flatter avec une spatule. On va juste l'appliquer comme ça, pour avoir une couche égale. Après ça, on fait la forme finale avec la spatule. Il y a un avantage qu'il fait plus froid dehors, ça me permet de travailler le produit beaucoup plus longtemps. Avant qu'ils saisissent. Il est baveux, cet
ce filler-là. Fait qu'il est dur à étendre. Égal. Je pense qu'on ne fait pas un concours de beauté pour l'instant. Là. C'est pas vraiment grave. On a essayé juste de rebâtir le matériel que j'ai enlevé. Puis pour me donner un point de référence, souvent j'enlevais un peu de matériel d'un côté. Puis après ça, j'alternais de l'autre côté. Fait que je faisais une groove de même. Ça me garde. Fait que je peux garder la forme du bout de mon aile en ayant grandi alternativement d'un côté puis de l'autre. Tranquillement pas vite, je vais le rebâtir, donner une belle petite forme. Puis c'est le sablage là, qui fait vraiment que je donne sa forme finale. Puis ouais, c'est raide du sablage, puis ce produit-là, il est pas friendly à sabler. Je suis allé me faire un autre batch. Puis celle-là, c'est juste du filler dedans. J'ai pas mis de petits brins de matériel de fibre de verre. Je l'ai mis pour le renforcer dans le fond de la craque. Puis là, je suis juste dessus pour le remplir. Là. Juste ça, ça va être bon en masse pour le former. Là, je vais aller me faire un mélange qui est plus liquide un peu pour pouvoir flatter la finition. Ça va donner un meilleur fini extérieur, moins de pics qui séchaient. Et non, quatrième batch. Peut-être me donner un peu moins de sablage à faire demain. Peut-être. Ça va être mieux d'arrêter ça aujourd'hui pour les travaux de fibre de verre parce que ça saisit pas. Ça a la tendance à vouloir couler un peu. C'est sûr, j'en ai mis pas mal, mais je vais laisser ça sécher. Demain, je pense aussi, annonce de pluie. Bon, au moins ici, ça se fait pas mouiller au moins hein, en cette partie-là. Fait qu'il pleut pas assez fort pour que ça se fasse mouiller. D'après moi, si ça continue une petite pluie de même, ça se scrapera pas la job que j'ai commencé. Puis ça va aller peut-être juste dans deux jours fait, pour que je puisse continuer. Mais ça va laisser le temps de sécher en masse. Puis après ça, je vais pouvoir commencer à m'amuser à faire des heures de sablage pour amener ça comme il faut avant de mettre ma fibre de verre le dessus comme tel qui va vraiment venir renforcer le tout. Donc on va voir en dedans, on va se faire un petit projet vite de temps dedans. Voyez-vous, le projet d'intérieur va être très simple. Je ne vais faire rien de compliqué. Ça va être de transférer tout ce qui est dans le salon, dans le V-Birth. Ça fait un mois que je vis là-dedans, que je ne suis pas capable de circuler dans mon salon. Puis quand je veux travailler dans mon compartiment moteur, j'ai plein de stocks qu'il faut que je sorte. Puis comme cela, j'ai même plus de place pour sortir le stock que là pour pouvoir rentrer dans ma chambre moteur. J'ai des travaux de filage électrique que je veux continuer. Et aussi regarder tranquillement, pas vite, déséverniser le moteur, le mettre en fonction. Et que ce que je vais faire, c'est de tout prendre ce qu'il y a ici, puis le placer le mieux possible en amont dans le V-Birth, puis souhaiter que j'ai pas besoin de rien aller chercher dans le fond du V-Birth une fois que tout devrait être rentré. La tank à eau en avant, elle a été nettoyée. Fait qu'au moins, j'ai plus besoin d'avoir accès sous le lit. Fait qu'il y a au moins ça de fait. Il va me rester de la tank à eau à droite à laver plus tard. Parce que là, je dois aller dehors en dedans pour remplir, nettoyer la tank. Il pleut, il fait frais. Fait que là, mon but aujourd'hui, je garde ça très simple. Placer mon stock dans mon V-Birth. C'est prendre du stock d'une place, le déplacer de l'autre place pour mieux retourner à un autre endroit. C'est ça la vie de bateau. Mon beau recouvre coussin neuf que j'ai finalement installé. Je pensais le libérer de la place, mais ça n'a pas libéré bien plus de place.
Je te dérange? Bizarrement, dans le V-Birth, ça c'est la planche, parce que ici en avant du V complètement, c'est la tank d'eau. Puis ici, on a un petit compartiment en avant, pour storer des choses. Puis j'ai remarqué qu'il y avait des gouttelettes d'eau sur le dessus de la planche, et comme ça. Il n'y a pas d'eau dans le fond, il n'y a pas d'infiltration d'eau. Il fait de la condensation. Je crois que c'est à cause de la tank d'eau, la différence entre le froid et le chaud de la tank d'eau. Fait que ça fait de la condensation. Puis on a mis du cordage dans le fond de ça. Puis le cordage, ben, il a commencé à pousser un peu de mousse. Fait que j'ai tout nettoyé ça. Puis j'ai laissé quelques jours ouvert. Puis là, ce que je vais faire, je vais percer des trous ici avec un rossa pour permettre une circulation d'air en avant. Puis c'est ça que je pense qu'il demande. Avec ça, ça devrait régler ce petit problème-là. Ça devrait être un petit projet simple. Mais le problème, c'est qu'il faut que je trouve mes hausses, ça. Ça sera pas un projet simple. Trouvé! À cette heure, ça me prend la drill. Attention de ne pas driller dans la table. Un bordel de fer. Es-tu prêt, papa? On fait le saut. Check. Safety. À date, ça a été le projet le plus facile de mon mois. Malheureusement, le V-Birth, il va être plein à craquer, mais j'ai fini avec. Bon, au moins, je vais savoir c'est quoi qu'il y a dedans. Puis j'ai essayé de mettre ça stratégiquement. Les choses que je vais avoir besoin en premier, le plus proche possible. Les choses moins pressantes, il va être plus dans le fond. Ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. J'aurais juste à débarrasser de mon salon un petit peu plus. Pacter mon V-Birth, puis après ça, je vais pouvoir enfin m'asseoir comme il faut à la table et avoir de l'espace pour bouger alentour. Sur ça, bonne journée!